ça pas mal. Bien, Sibar. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Constance, maître Lessing est arrivé. Marcus. Pardon. Je suis désolé. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Merci pour ton invitation. Mon mari. Enchanté, bonsoir. Allez, bonsoir. Regardez-moi comme ça. Oui. C'est bon, ça y est, ça va. C'est Mathias Kroll, notre nouvelle star. C'est lui qui a écrit un livre sur les syndicats des jeux en Allemagne. Oui, et c'est un best-seller. Il a malheureusement choisi une autre maison d'édition. Son prochain livre sera édité chez nous. Félicitations. Je vais me joindre à vous. Faites une photo de nous trois. Je suis contente que tu sois là. Ça faisait un bail qu'on ne s'était pas revu. Oui. La femme aussi est écrivain. C'est un peu risqué, mais c'est justement ça qui est stimulant. Les recherches sans aucun risque, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait que m'ennuyer. Ça va, maintenant, laisse-nous. Tu veux bien? Je te remercie, Salut. Salut. À ta réussite. À ta santé. Bonsoir, j'espère que je ne vous dérange pas. Günther, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Vous permettez? Merci. Mathias, je peux vous l'enlever quelques instants? Comme mon éditrice appelle, je dois y aller, désolé. À tout de suite. Mathias, voici maître Marcus Lessing. On s'est connus quand on était étudiants. Ah oui, c'est vous l'avocat, enchanté. Je suis ravi de faire votre connaissance. Constance m'a parlé de vous, elle prétend que vous pouvez m'aider. Vous avez commis un délit? Un bouquin sur les promoteurs. La mafia du bâtiment. Tu pourras peut-être parcourir avec lui les passages les plus explosifs quand il sera terminé pour sa protection. Je crains que ce ne soit pas d'un avocat dont j'ai besoin, mais plutôt d'un garde du corps. C'est un métier dangereux. C'est cet homme qui est dangereux. Il est prêt à tout utiliser pour empêcher la sortie du livre. Il ne recule devant rien. Argent, menace, il est loin de se décourager. Alors, Judas, tu peux encore te regarder dans la glace? Tu as été plus drôle. Tu sais comment ça s'est terminé pour Judas. Tu ferais bien d'y réfléchir. C'est pas le moment de faire un sondage. Calme. Allez, laisse tomber. Va prendre un verre au bar. Ce n'était pas une bonne idée de l'inviter ce soir. Ne fais pas attention. Il se calmera après avoir bu un verre ou deux. Walter est toujours persuadé qu'il peut tout maîtriser. Il est dans le bâtiment, lui aussi? Non, c'est mon ancien éditeur, Dietrich Schibar. Il se comporte comme si j'étais sa propriété. Je ne lui appartiens pas. Dietrich est colérique. Il redescend aussi vite qu'il est monté. Il n'est pas rancunier. Il a l'air bien remonté, quand même. J'ai l'impression que Constance a raison. On croise parfois des gens qu'on aimerait éviter. Ça peut arriver. Il s'amuse bien, ton nouvel auteur, avec ta fiancée, hein? Je n'ai pas un tempérament jaloux. Oui, c'est ce qu'on dit. Tu ferais bien d'être prudent. Celui qui t'a trahi une fois te trahira encore. Mais non, un contrat est un contrat. Tout a été fait convenablement. Si vous ne vous êtes pas trompé dans vos calculs. Allez. Allez-vous écrire un livre sur les affaires les plus importantes et les plus captivantes que vous avez plaidées? J'ai beaucoup trop de clients. Je n'ai pas le temps. Qu'il n'a même pas eu le temps de se défendre. Monsieur le commissaire. Oui. On a trouvé ça dans une poubelle dans la cour. Un couteau plein de sang, l'arme du crime. Ouais, bravo, Rainer.
Bravo. Alors, il suffit que tu sois invité à une réception pour qu'il y ait un mort. Tiens, ça sent le café. Je te demande pardon. Tu veux un café? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas encore au courant? L'écrivain qui était à ta réception hier a été poignardé. Son nom, c'est Koenig, je crois, non? Il s'appelle Matthias Cronen. Oui, enfin, Koenig, Cronen, c'est pareil, quoi. Merci, Edgar. Merci. C'est Cronen, t'es sûr? À la réception, il m'a dit qu'il se sentait menacé. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux informations? Il a été poignardé. On l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Le mec, il est d'ici et il vit à l'hôtel. Oui. Est-ce qu'on sait qui a fait le coup? La police a arrêté un éditeur. Un certain Sibar. Tiens, voilà ce qu'il me faudrait. Une suite dans un hôtel. Patientez, s'il vous plaît. Pas de ménage, pas de lavage, pas de rangement. Et tous les matins, le journal dans la chambre. C'est pour vous? Oui, allô? Je me contenterai d'un appartement un peu plus grand, quoi. Oui, oui, je viens de l'apprendre. Oui, bien sûr. Restez calme, ne vous affolez pas, d'accord? Je serai là-bas dans 10 minutes. Je sais. À tout de suite. C'était Sibar. Ah. Elga, je vais au commissariat. Ça veut dire, travaille pour moi. D'après votre femme de ménage, vous aviez un couteau comme celui-ci chez vous. Oui, c'est exact. Il y a pas mal de couteaux comme celui-là. Ah, bien sûr, mais tout le monde n'a pas forcément ce modèle, regardez-le. J'ai acheté un couteau comme ça quand j'étais étudiant. Je suis certain que celui-là, c'est pas le mien. Le rapport du labo. Ah, merci beaucoup. Désolé, monsieur Sibar. On a relevé des traces de sang de Cronen ainsi que vos empreintes digitales. C'est ridicule. Ça fait des semaines que je n'y ai pas touché. Je me demande comment il a atterri à l'hôtel. On a relevé vos empreintes digitales dans la chambre de Cronen, ça vous surprend? Je suis allé le voir hier après-midi pour essayer de le faire changer d'avis. J'avais édité ses 3 premiers livres, c'est moi qui les fais connaître. J'ai pas apprécié qu'il s'en aille sans explication. D'autant plus que les affaires ne marchent plus aussi bien qu'avant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui vous a raconté ces âneries? Vos collaborateurs sont convaincus que les best-sellers de Cronen sont les seuls livres qui ont permis à votre maison d'édition de ne pas faire faillite. Il paraît que vous êtes très endetté et que le nouveau livre de Cronen était votre seul espoir. J'ai surmonté des périodes encore plus difficiles que celle-là. Vous avez même menacé Cronen, il y avait des témoins. C'est ridicule, vous en tirez des conclusions parce que ça vous arrange, un point c'est tout. Faites attention, très attention. Je n'interpréterai pas les paroles de Monsieur Sibar comme une menace. J'étais à la réception. Alors, maître, vous êtes venu en tant qu'avocat ou en tant que témoin? J'ai passé la nuit avec cette femme. Et ce matin, la police vient me tirer du lit et m'accuse de meurtre. C'est un cauchemar. Qui est cette femme? Où habite-t-elle? Je connais seulement son prénom, Myriam. Je venais de passer une mauvaise journée et voilà que soudain une femme sexy s'intéresse à moi. J'allais tout de même pas lui demander ses papiers avant de coucher avec elle. Et quand vous vous êtes réveillé ce matin, elle n'était plus là. Vous n'avez pas remarqué quand elle est partie? Mais non, je ne me souviens de rien. J'imagine que vous avez dû la voir, elle était blonde et bien roulée. Je vous ai bien vu avec une femme, mais ça ne prouve rien. Parce que vous ne me croyez pas comme le commissaire. Votre alibi ne repose que sur un témoin qui s'est volatilisé et que personne ne connaît. Il faut que je présente quelque chose au procureur. Faites un effort, essayez de vous souvenir. Donnez-moi un indice quelconque. C'est fou, j'ai la tête qui bourdonne comme si... comme si on avait versé une drogue dans mon verre. Désolé de vous déranger. J'ai un mandat d'arrêt contre votre client. Mais enfin, c'est absurde. Je n'ai pas envie de servir de bouc émissaire. Laissez-moi passer. Empêchez-le de s'enfuir. Monsieur Sibar. Vite, arrêtez-le. Calmez-vous, ça ne servira à rien. Et voilà. Emmenez-le. Il est possible qu'on ait administré une drogue à mon client hier soir. Oh. J'aimerais qu'il subisse un examen médical.
me suis emporté. Je vous jure que je suis innocent. Si je l'avais poignardé, je n'aurais pas fait la bêtise de jeter le couteau dans les ordures. Allez-y, parlez-moi de Cronen. C'était quel genre de personne ? Un homme obstiné, qui allait au bout de ses enquêtes. C'est un type brillant au journal. Merci. Et dans le privé ? Un solitaire. Sympathique. Et déterminé. Sa femme avait un cancer, elle en est morte. Ouais. Il est allé vivre à l'hôtel dès qu'il a eu de l'argent. Il disait toujours, quand on n'a pas de patrie, on n'a plus rien à perdre. De quoi était-il question dans le livre qu'il écrivait ? Le nom Frischschalten vous dit quelque chose ? Le promoteur ? Un arriviste, un personnage assez ambigu, non ? Schalten a un passé tumultueux. Milieu de la prostitution, légion étrangère et j'en passe. Il paraît que lors de son ascension, le sang a coulé. J'aimerais beaucoup lire ce bouquin. En tant qu'auteur, Matthias Cronen était obstiné et entier. Il avait toujours peur pour ses manuscrits. J'ignore où il l'a caché, celui-là. Vous croyez qu'il se sentait menacé par Schalten ? Au début, Schalten a voulu l'acheter en lui proposant de l'argent, mais il ne s'est pas laissé faire. Et si Schalten n'arrive pas à acheter quelqu'un... À propos de Myriam, si un détail vous revenait, tenez-moi au courant. C'est le plus important pour le moment. Maître Lessing. Il n'y a pas que moi. Ma maison d'édition est une petite entreprise, mais j'ai du personnel. Si je ne sors pas d'ici bientôt, je devrais fermer. Je vais essayer de faire mon possible. Que Sibar ait voulu s'enfuir, ça ne plaide pas en sa faveur. Tu as du lait ? Je crois. Regarde dans le frigo. Dans le sang de Sibar, on a trouvé des traces de rohypnol. Peut-être que cette Myriam a versé des gouttes dans son verre. Il n'est plus bon. Il est caillé. Tant pis, je m'en passerai. Et qu'est-ce qu'on en sait ? Et si Sibar les avait prises lui-même, les gouttes, juste après le meurtre, pour faire croire à sa version ? N'oublie pas que je suis avocat. C'est la présomption d'innocence qui prévaut. En plus, Sibar est loin d'être bête. Pourquoi serait-il allé le jeter dans la poubelle de l'hôtel, ce couteau ? Ce n'est pas un pro et c'est quelqu'un d'hyper nerveux. T'y crois, toi, son alibi avec cette fille inconnue ? Je l'ai vu, il l'a pas inventé. C'était une jolie blonde. D'accord, tu l'as peut-être vu à la soirée. Ça signifie pas pour autant qu'il a emmené sa blonde chez lui. Tu ne vas tout de même pas me faire croire que Schalten te fait peur. J'ai surtout peur que ton client n'ait pas les moyens de s'offrir les services d'un type brillant comme moi. Est-ce que si je te donnais un petit à-compte, ça suffirait à dissiper cette peur ? Ça. J'arrive pas à comprendre comment t'arrives à être aussi convaincant. Ah, je ne connais rien de plus excitant qu'un chantier comme celui-là. Vous savez ce que j'ai dit à mon père quand j'étais apprenti maçon ? Un jour, je construirai des maisons 100 fois plus grandes que la tienne. Et il m'a répondu : tu n'es qu'un rêveur, mon garçon. Et ce rêve est devenu réalité, monsieur Matula. J'imagine que vous avez entendu parler du meurtre de cet écrivain, Matthias Cronen. Bien entendu, j'étais même étonné que la police ne soit pas encore venue ici. Oh, n'ayez crainte, il ne vous arrivera rien. Et vous étiez au courant qu'il écrivait un livre où il parlait de vous ? Oh, cet écrivailleur était même venu m'interviewer. Il a évidemment fait l'innocent. Et ensuite, derrière mon dos, il en a profité pour aller se renseigner auprès de mes partenaires commerciaux. Auprès de votre femme aussi. Renata. Renata écrit noir sur blanc que jamais elle parlerait. On lave notre linge sale en famille chez nous. Vous connaissez une femme qui mettrait sa vie de luxe à Miami en jeu pour un gribouilleur comme lui ? Vous lui avez proposé de l'argent à ce gribouilleur. C'est pas vrai, il a osé dire ça, ce frimeur. Oui, et qu'il aurait besoin d'un garde du corps pour se protéger. Tellement il vous craignait. Et voilà que maintenant, cet homme est mort.
Je fais 1 milliard de chiffre d'affaires. Je donne un bon salaire et de quoi manger à 2000 personnes. Vous croyez, ne serait-ce qu'une seconde, que je toucherais un type pareil? Les avocats l'ont mis en garde sur les conséquences des allégations mensongères qu'il colporterait sur bois. Et c'est tout. D'autres questions? Où étiez-vous la nuit dernière? Qu'est-ce que vous faites là? Tu crois que c'était les hommes de Cholton? J'ai pas rêvé. Il devait chercher exactement la même chose que moi. Le manuscrit, j'en mettrai ma main au feu. Seulement, on ne peut pas le prouver. Ce type ne recule devant rien. Et à l'hôtel, personne n'a rien remarqué? Ils ont plus de 200 chambres, et en plus, il y a un salon en ce moment. Il faut retrouver cette Myriam à tout prix. J'ai eu Frankie Baumeister au bout du fil. C'est le type du Frankfurt Courier qui a pris les photos à la réception. Je dois le voir ce soir. Tu devrais venir avec moi. D'accord. Ménage ta tête, on va en avoir besoin. Je te remercie pour le conseil. Je suis désolé. Personne de ce nom-là ne figure sur la liste des invités à cette soirée. Est-ce que tu connaîtrais une Myriam par hasard, chérie? Non. Je devrais la connaître. Tu ne te souviens pas d'une femme blonde plutôt sexy au bras de laquelle Sibar est parti en fin de soirée? Ah oui, je me souviens. Je me souviens sur toutes ses chaussures. Elle avait une allure assez vulgaire. Je m'en souviens très bien. C'est vrai, Sibar aime les blondes. Il y avait tellement d'invités que je n'ai pas fait attention. Je peux emporter la liste? Oui, je vous la laisse. Merci. Il a parlé du livre qu'il était en train d'écrire. Selon lui, il contenait des révélations et des détails explosifs sur le promoteur Cholton. C'est exact. Il nous a même dit que ce serait de la dynamite. Il allait le sortir à la fin du mois. Quant aux détails, demandez à Constance. Elle est plus à même de vous renseigner. Elle a négocié s'il avec Cronin. S'il vous plaît, Cronin. Monsieur Ulrich. Qu'y a-t-il? Non, j'arrive. Bon, je te laisse. Chérie, à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, le travail m'appelle. Je n'ai pas une minute à moi. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. Mathias avait des craintes. Et je ne les ai pas prises au sérieux. Personne ne pouvait s'attendre à une chose pareille. De quoi parlait-il dans ce livre exactement? Il a raconté que Cholton avait tué un homme quand il était apprenti maçon. Et qu'il a acheté le silence des témoins. Et puis il y a eu d'autres affaires. Tu te souviens de celle à propos des constructions nouveaux? C'est Cholton qui a racheté l'entreprise à l'époque. Plusieurs milliards, c'est ça? Cholton et un autre grand investisseur qui s'appelait Justus ont poussé les enchères. Ils étaient concurrents. Puis Justus s'est tué dans un accident de voiture à Fulda. Et ce n'était pas un accident. C'est incroyable. Mathias avait toutes les preuves à l'appui. Et même à moi, il n'a pas voulu me révéler où était le manuscrit. Il m'avait simplement demandé de lui faire confiance. Je me demande où il a obtenu tous ces renseignements. Cherche la femme, Marcus. Tu veux dire la première femme de Cholton? Cholton s'est comporté comme un salaud avec elle pour le divorce. Et Mathias savait convaincre les gens pour les obliger à parler. Est-ce que tu as vu ses yeux? Autrement dit, Cholton avait un mobile plus conséquent que Sibar. Ce bouquin pouvait le ruiner. Je vais te faire une confidence.
Mathias avait confié à Sibar ses droits d'auteur et l'argent pour les droits du film sur son dernier best-seller, un prêt en quelque sorte. Un demi-million. Je lui avais conseillé de réclamer l'argent à Sibar avant qu'il ne fasse faillite. Oui, je vois. Oui, mais... Mais tu connais Sibar. Tu le vois commettre un meurtre. Je ne sais pas, il y a parfois des situations où on serait tous capables de tuer. Je vous attendais avec impatience. Je me suis souvenu d'un détail. Lequel ? Que vous deviez un demi-million à Cronan et qu'il voulait vous réclamer cet argent ? Alors maintenant, vous êtes contre moi. Vous voulez que je vous fasse des aveux ? C'est un mobile sérieux, Sibar. Et il faudrait pouvoir apporter des réponses plausibles au procureur. Mathias m'a encore dit mardi après-midi qu'il pouvait attendre pour l'argent. Il voulait même le certifier par écrit. Alors pourquoi l'avez-vous agressé à cette soirée ? On aurait dit que vous le haïssiez. Il s'est montré conciliant pour ce qui est des dettes, mais pas pour la séparation avec ma maison d'édition. Je n'ai eu droit à aucune explication, c'était horrible. J'étais remonté, j'étais ivre. Bon, d'accord. Alors vous vous êtes souvenu de quoi ? À propos de cette fille, Myriam, c'était à elle, ces allumettes. Je les ai mises dans ma poche avec les cigarettes et j'ai oublié. Café Feuerwerk, Schreiberstrasse. C'est à l'ouest de la ville, ça. Ça nous fait un indice, c'est un début. Voilà les photos que j'ai prises de Cronen. Ce sont des photos qui coûtent cher, celles de son assassin aussi, d'ailleurs. Oui. Si on avait su que ça arriverait. J'aimerais bien avoir toutes les photos. Nous recherchons une femme. Tu l'as peut-être photographiée. Tu te rends compte que j'ai pris plus de 200 photos et en plus, j'ai pas le temps, là. Francky, est-ce que je dois te rappeler qui t'a prévenu quand le procureur s'est fait arrêter ? T'as gagné des millions avec ça. Décidément, on ne peut rien te refuser à toi. Elles sont toutes là. Une petite minute. Celle-là, ça pourrait bien être elle. Est-ce qu'on peut l'agrandir ? Bien sûr. Seulement, elle ne sera pas plus nette, hein. Oui, c'est la femme avec laquelle Sibar est parti, j'en suis sûr. Vous vous souvenez d'elle ? Non, je suis pas très branché blonde, moi. Ce que je te propose, c'est de prendre la photo et d'aller dans ce café. Allez, après-midi. On est sur une piste. S'il vous plaît, on peut voir les autres photos ? Oui, j'ai tout mon temps, allons-y. Je voudrais vous poser une question. Vous connaissez cette fille ? Elle n'est pas très nette, votre photo. Je sais, désolé. Au fait, dites-moi, vous savez qui est la femme qui vient de prendre le taxi, là, un instant ? Aucune idée. Dites-donc, vous lui ressemblez, ça pourrait être vous ? On dirait son sosie. Je n'ai jamais été aussi blonde. Mais qu'est-ce que vous lui voulez ? Bah, juste lui poser quelques questions. Vous étiez à la réception hier au Palace Hotel ? Ah non, j'ai travaillé ici jusqu'à 2h du matin. Et il y a une cinquantaine de clients qui pourront vous le confirmer. Je tiens à vous prévenir, on n'aime pas trop que les gens de votre espèce viennent fouiner ici. Eh bien d'accord, je m'en vais. Ça ne fait aucun doute, c'est elle. Matula est allée au café ? Oui, mais ils n'ont jamais vu Myriam. Et Scholten, votre détective n'ose pas l'approcher ? Vous vous attendiez à quoi ? Qu'il fasse des aveux ? Qu'il se mette à genoux ? Cronan n'a abouti dans ses recherches qu'au bout d'un an. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Vous pouvez pas savoir ce que c'est dur d'être enfermé là-dedans, à attendre pour rien. Vous êtes sûr de ne pas vous souvenir d'autre chose ? Cette Myriam, elle a bien dû vous parler d'elle au cours de la soirée, non ? Elle m'a dit qu'elle était étudiante en littérature, qu'elle habitait près de l'université. Elle a dû me raconter du baratin. Elle ne s'appelle peut-être pas Myriam. Une personne me l'a envoyée, elle m'a endormi pour me voler le couteau.
Le procureur aura du mal à gober cette version. Peut-être. Et vous non plus, vous n'y croyez pas. Le problème, c'est qu'il faut apporter des preuves. Ce type-là, c'est qui? Un ami de Cronin? C'est son conseiller fiscal. Monsieur Classe. Ils étaient amis d'enfance. Et s'il avait le manuscrit? Voilà quelqu'un. Ça doit rester entre nous. Sinon, on te retrouvera. Allô, Walter, c'est moi, Joseph. Mais pas du tout, je voulais te faire une surprise. Oui, j'ai réussi à avoir des places pour le match, pour la finale de samedi. Tu ne dois rien faire du tout. Juste une recherche pour trouver le nom d'un propriétaire. Ne craignez rien. Je m'appelle Matula, je suis détective privé. Je viens pour votre ami Cronin. Je n'ai rien à dire, allez-vous-en. Je mène mon enquête pour Sibar. Écoutez, monsieur Classe, j'imagine que vous aimeriez savoir qui a commis ce meurtre. À voir votre visage, j'ai l'impression que vos agresseurs ne vous ont pas fait de cadeau. Vous permettez? C'est pas ce que vous croyez. C'est un simple malentendu entre copains. Disons que ça m'a un peu bouleversé. Ces types voulaient la même chose que moi, j'en suis sûr. Le manuscrit de Cronin. J'arrive trop tard, malheureusement. Je n'ai rien. Je regrette, je n'ai pas de manuscrit. Je n'ai que les documents fiscaux de Mathias et une reconnaissance de dette au nom de Sibar. Vous devriez mettre un linge sur votre front et appuyer très fort. Sinon, vous risquez d'avoir une vilaine bosse. Bon, écoutez, je ne suis qu'un simple conseiller fiscal. Je n'ai absolument rien à voir avec des manuscrits, alors allez-vous-en. Monsieur Classe, ces hommes sont à la botte de Scholten. Ils vous ont menacé et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Laissez-moi tranquille. J'arrive tout de suite, monsieur. Non, c'est pas vrai, je rêve. On ne voit plus que vous ici. Je suis en train de construire le nouveau bâtiment du Congrès. Je n'ai que très peu de temps à vous accorder, 2 minutes, pas plus. Eh bien, allez-y. Je viens vous faire part de ma colère. Je me suis fait assommer par vos hommes. Bien sûr. Et vous avez les noms de ces hommes? Peu importe. Seulement maintenant, ils s'en sont pris à Monsieur Classe, l'ami de Cronin, son conseiller fiscal que vous connaissez sûrement. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Arrêtez. La voiture que ces types conduisaient était enregistrée au nom de votre entreprise. Vous avez l'air d'être sous pression, non? Si mes employés s'amusent à rendre visite à leur conseiller fiscal pendant les heures de service, c'est regrettable. Mais j'ai toujours été un directeur généreux. Je suis sûr et certain que vous avez le manuscrit de Cronin. Mais il reste encore d'autres documents. Peut-être qu'il en a même fait une copie. J'ai le regret de vous dire que vous faites fausse route, monsieur Matula. Vous êtes un homme courageux. Ça tombe très bien parce que je cherche un nouveau chef pour la sécurité. Salaire de cadre, voiture de fonction et toutes sortes d'avantages en nature. Vous devriez réfléchir. Mais c'est tout réfléchi. Votre boulot, vous pouvez vous asseoir dessus. Je préfère être libre. Très bien. Au revoir. Vous devriez être un peu plus prudent. C'était intentionnel, j'en suis persuadé. Scholten essaie de me faire peur. Seulement, ce pauvre abruti ignore à qui il a affaire. C'est dommage que le manuscrit ait disparu. S'il contient réellement ce dont Constance m'a parlé, ce serait la fin de Scholten comme promoteur.
Un de mes confrères m'a dit que cet homme jouait et qu'il était un peu sur la corde raide. Ses créanciers vont le lâcher. Malheureusement, nous ne pouvons pas le prouver. Et Klaas ne dira rien. Il a trop peur pour sa vie. Et l'ex-femme de Scholten. J'ai finalement réussi à la joindre à Miami aujourd'hui. Mais je n'ai rien pu en tirer. Le meurtre de Cronen l'a bouleversé. La police judiciaire a trouvé quelque chose d'intéressant dans la chambre de Cronen. Et Alberg a eu la gentillesse de faire une copie. Tiens, regarde. Mon cher Mathias, je suis folle de joie pour ce soir. Je suis impatient de me retrouver dans tes bras encore une fois. Mille baisers, celle qui t'adore, ta princesse. Mais je croyais qu'il n'avait pas de fiancée. Moi aussi. Il faut retrouver cette Myriam. Elle nous mènera peut-être à Scholten. Et voilà. Bon appétit. Vite, il faut que tu files. Ne reste pas là, c'est dangereux. Eh bien, me revoilà, comme promis. Vous voyez bien qu'il y a du monde. Je n'ai pas le temps. Moi, si, ça tombe bien. Vous désirez quoi ? Je veux bien une bière, mon petit gars. Nous ne connaissions pas Mathias Cronen depuis longtemps, ma femme et moi. Ce n'était que le début de notre collaboration, et pourtant nous le considérions comme un ami. Nous partagions les mêmes goûts pour la littérature. C'est ce qui nous avait rapprochés. Mathias Cronen est toujours resté quelqu'un d'intègre et de modeste, malgré le succès de ses livres et sa réussite. Il nous a quittés, hélas, de façon inattendue. Et je dois dire que sa disparition nous a tous énormément choqués. Nous ressentons une grande tristesse. Mais dans cette épreuve douloureuse, nous ne voulons pas oublier non plus qu'un ami de longue date, qui a été son compagnon de route et son premier éditeur, Dietrich Sibar, n'a pas pu se joindre à nous. Pour lui aussi, nous allons prier. Nous sommes ici, Maître Lessing. Constance vient de prendre un calmant, elle ne se sent pas bien. Est-ce que tu te sens mieux ? Oui, ça faisait un peu beaucoup pour une journée. Le commissaire Alberg est revenu, il a voulu nous interroger encore une fois. Il nous a montré des photos de la scène du crime, c'est atroce. On a tout vu en détail. Et est-ce qu'il vous a montré cette lettre d'amour également ? Ah, vous aussi, vous êtes au courant. À votre avis, qui pourrait bien être cette princesse ? Tu n'aurais pas une idée, Constance ? Non, je suis désolée, Mathias, ne me confiez pas tous ces secrets. Il faut à tout prix retrouver le manuscrit, Constance. Révélation d'un auteur assassiné, ce serait le succès, ce livre se vendrait comme des petits pains. Mon mari ne pense qu'à faire des affaires, c'est tout ce qui compte. Excusez-moi. Il faut que je sorte, j'ai besoin de prendre l'air. Tu es sûre que ça va aller, ma chérie ? Oui, ça va. Remarquez, je la comprends. Le milieu de l'édition est devenu particulièrement dur ces derniers temps. Et il n'y a plus de place pour les sentiments. Vous n'avez pas peur de la réaction de Scholten ? Si, j'ai peur de sa réaction. Mais si je n'avais pas édité certaines choses, je n'aurais jamais fait de cette entreprise une des premières maisons d'édition du pays. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Oh. Au fait, comment va Dietrich Sibar ? Avez-vous retrouvé cette femme de mauvaise augure ? Non, pas encore. Mais Monsieur Matula trouve toujours ce qu'il cherche.
permettez que je vous offre un verre? C'est gentil, mais je n'accepte jamais de boire un verre avec les clients. Alors je vais attendre que vous ayez terminé. Mais pourquoi insistez-vous autant? C'est quoi cette histoire avec cette photo? Quelqu'un a commis un meurtre. Et cette fille en a été le témoin. D'accord. Attendez-moi à 17h à la passerelle de fer. J'y serai. Avant de vous dire quoi que ce soit. Vous avez dû voir les gros titres dans les journaux sur cet écrivain qui a été assassiné au Palace Hotel. Mathias Cronen, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que Lara a... Vous avez également dû lire que les éditions Mercure ont donné une grande réception et qu'un éditeur a été arrêté. Ouais, continuez. Nous avons des preuves que cet homme était à la réception avec la femme de la photo. Et à la fin de la soirée, il l'a emmenée chez lui. Cette femme est son seul alibi, vous comprenez? La fille que vous recherchez s'appelle Lara et il se trouve que c'est ma sœur. De la ressemblance, ah ouais. Il faut que je lui parle de toute urgence. Pourquoi elle se cache? J'y comprends rien. Depuis quelques jours, elle a un comportement étrange. Elle boit, elle prend des somnifères et elle refuse de me parler. Il est fort possible que Lara soit en grand danger. Venez avec moi. Lara vit au crochet des hommes. Des hommes qui ont de l'argent et auxquels elle donne rendez-vous par téléphone. Elle ne voulait pas bosser de 9 à 5 dans un bureau. Ah, je vois. Je me demande si elle n'a pas été engagée pour cette réception dans le but d'aider l'assassin. Peut-être même sans le savoir. Oh, quelle horreur. C'est pour ça qu'elle se sent mal. Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Je vous en prie. En général, Lara ne me parle jamais de ces hommes. Elle ne dit jamais leur nom. Cette fois, elle m'a tout de même confié qu'elle allait se faire pas mal d'argent à une réception simplement pour allumer un homme. Et elle n'a pas dit qui c'était? Non. J'ai vu l'homme qui lui a promis l'argent sortir de chez elle. J'ai vu son visage. Vous pourriez le reconnaître? Oui, sûrement. Il avait l'air d'avoir du fric. Allô, Helga? C'est moi. Vous pouvez me passer, Marcus? J'ai demandé à avoir une entrevue avec le juge d'instruction pour demain matin. Si jamais cette Lara, alias Myriam, confirme qu'elle était bien avec vous cette nuit-là, vous serez un homme libre dès demain. Ou sinon? Eh bien, il y a deux hypothèses. Ou bien elle ment, parce qu'elle est elle-même impliquée dans l'assassinat. Auquel cas, bien sûr, nous l'arrêterons. Ou bien? Ou c'est vous qui mentez. Et vous pensez quoi, vous? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Vous n'êtes pas content? Nous avons retrouvé le témoin qui vous fera sortir de prison. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour Monsieur Klaas. J'ai peur qu'on nous manipule comme des marionnettes. Scholten est un homme puissant, il a le bras long. Ces gens-là gagnent souvent. C'est au premier. Zut! Oh, pourquoi elle n'ouvre pas la porte? Vous n'avez pas un double des clés? Ah, si, mais je l'ai laissé à la maison. Ah, on n'a pas de chance, hein? Ah, oh, bah, c'est pas grave. C'est pas la peine de perdre son temps. Et allons-y. Je vous en prie. Lara? Thank you.
John Fraser. Lara. Lara. Lara, réveille-toi. Elle est toute froide. Lara. Lara, tu m'entends? Lara. Lara, je t'en supplie. Je vous remercie. De rien. Hein. Au revoir. Ils ont essayé de la ranimer. Ils n'ont pas pu. Je ne crois pas au suicide. Je suis intimement persuadée qu'on l'a forcée à prendre ça. J'ai tout de suite senti que quelqu'un était entré chez elle. Je me suis permis de prendre cet argent. 3000 euros. Elle a noté le nom de Scholten. Est-ce que votre sœur a déjà mentionné ce nom-là? Je me faisais toujours du souci pour elle. Ces hommes me faisaient peur. Souvent, elle disait « J'ai beaucoup de chance. » Lara n'avait aucune envie de mourir. Je vous donne ma parole. Si votre sœur a vraiment été assassinée, je retrouverai l'assassin, mademoiselle. Seulement pour ça, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous présenter Lara Fraser, la femme avec laquelle Dietrich Sibar a passé la nuit le soir du meurtre. Il a soi-disant passé la nuit avec elle. Mais hier soir, le témoin a été retrouvé sans vie. On lui a fait avaler une très forte dose de rohypnol, ce qui a entraîné une paralysie respiratoire. Aucun indice ne peut prouver qu'il y a effectivement eu meurtre. Le service de médecine légale n'a relevé aucune trace de violence. C'est tout de même la seconde fois qu'on se sert de rohypnol. C'est avec ça qu'on a anesthésié mon client la nuit du meurtre. C'est une étonnante coïncidence, cher collègue, mais pas une preuve. Ce genre de médicament est très souvent utilisé. Je prouverai que Lara Fraiseux était bien à la réception et je prouverai également que c'est à cet endroit qu'elle a rencontré M. Sibar à un moment donné de la soirée. Pas mal de gens font connaissance dans des soirées. Je déteste qu'on vienne me déranger le matin de bonne heure, Monsieur Matula. J'espère que c'est pas pour rien. Je voulais vous parler de Lara. Lara Fraser, la call girl de Feuerbachstrasse. Vous avez eu l'imprudence de donner à Lara le numéro de votre ligne privée. Je ne vois pas en quoi ça vous concerne. J'ai fait appel au service de cette jeune femme à plusieurs reprises, et alors? Si vous avez le malheur de me déranger une fois de plus pour une bêtise pareille, je lâche mes hommes, compris? Non, ce ne sera pas utile. Alors, c'est lui? C'est l'homme qui est sorti de l'appartement de votre sœur? J'ai jamais vu cet homme-là. Vous en êtes certaine? N'ayez surtout pas peur de le dénoncer. C'est pas lui, je vous dis, je suis sûre. Où sont les preuves contre Monsieur Scholten? Rendre visite à une call girl, ça n'est pas un crime pour un homme divorcé. Veuillez m'excuser. C'est un coup de fil important. Oui, allô? Joseph, il était temps. Alors, elle l'a reconnu? Oui, je vois. À plus tard. Je porte plainte pour le meurtre de Lara Fraiseux. Et je demande que les recherches dans l'affaire Cronen prennent en compte Scholten et que le mandat de dépôt contre mon client soit suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour le parquet, M. Sibar n'est pas encore innocenté. Nous voulons une poursuite de la détention. On s'est servi par deux fois de rohypnol. Mon client ne peut en aucune façon être accusé de meurtre. Le suicide du témoin Lara Fraiseux est vraiment singulier. Je vois la nécessité de mener une enquête approfondie. Mais les preuves contre M. Sibar ne sont pas invalidées. Par conséquent, Maître Lissing, la requête de suspension du mandat de dépôt à son encontre est rejetée. Ce sont vraiment tous des lâches. Tout le monde sait que Scholten est impliqué, mais ils sont tous morts de trouille. Restez calme, ça ne sert à rien de s'énerver. Calmez-vous, un peu de patience. Nous avons toutes les cartes en main, nous sommes près du but. Ils n'ont pas envie de chercher l'assassin, je suis leur bouc émissaire.
maintenant, inutile d'insister. Accordez-moi au moins quelques minutes. Vous permettez ? Qu'avez-vous de si urgent à me dire ? Les hommes de Scholten vous ont arraché le manuscrit de Cronen. Mais je sais que vous êtes quelqu'un de malin. Et je parie que vous en avez une copie. Non, pas du tout. Je sais que vous êtes mort de peur. Vous préférez qu'un assassin se promène en toute liberté ? Le meurtrier de votre ami ? Je suis désolé. Je ne suis pas comme Mathias. Je n'ai pas l'étoffe d'un héros. Vous avez envie que Scholten s'en tire à bon compte ? S'il vous plaît, donnez-moi ce manuscrit. Faites-le au moins pour votre ami. Vous voulez que d'autres personnes meurent ? Et maintenant, dépêchez-vous de partir avant que je change d'avis. Merci, Helga. Il est excellent, votre café. Comme d'habitude. Alors, il est costaud, le manuscrit, hein ? Non seulement le témoin a pu observer que quelqu'un trafiquait les freins de la voiture de Justus, mais il a même été jusqu'à déclarer sous serment qu'il s'agissait des hommes de Scholten. Scholten a fait supprimer son adversaire au poker pour s'emparer des constructions nouveaux. Si on venait à l'apprendre, le roi du bâtiment serait fichu. C'est ça, le mobile du meurtre. Il ne veut pas que le livre soit publié. Cabinet de Maître Lessing, bonjour. Veuillez patienter, s'il vous plaît. C'est le procureur Barlag. Lessing. Oui, monsieur Barlag. Non, merci. Oui, je vois. Oui. Non, je n'étais pas encore au courant. Merci beaucoup. Au revoir. Mauvaise nouvelle. Scholten a un alibi pour ce soir-là. Il était avec une femme et elle l'a confirmé. Ah non, j'arrive pas à y croire. Ces gardes du corps ont aussi un alibi ? Ce type ne va quand même pas se tirer d'affaire à chaque fois, grâce à son fric ! Mais qu'est-ce qu'elle fait, Katharina ? Elle devrait être là depuis longtemps. Vous ne voulez pas un croissant ? Non, Helga. Scholten est un salaud, mais peut-être qu'il a vraiment un alibi. Et ce n'était peut-être pas ses gardes du corps non plus. Il se peut qu'on se soit trompé depuis le début. Peut-être que... Ça ne peut plus être que ton client. Mademoiselle Freeze vient d'arriver. Katharina. Bonjour. Vous aviez raison, c'est pas lui. Scholten a un alibi. Oui, vous voyez, je vous l'avais dit. J'ai une bonne mémoire des visages. Regardez bien cette photo. Est-ce que ça pourrait être lui ? Non. Je crains que quelque chose nous ait échappé. Elle ne figurait pas sur la liste des invités ? Non. Elle avait reçu une invitation pour cette soirée. Elle est là-dedans. Les éditions Mercure ont la joie de vous inviter cordialement au 25e anniversaire de la maison. Il y a un numéro de portable. Vous le connaissez ? Non. On n'a qu'à l'essayer, on va bien voir. Fais voir. Je suis pas joignable pour le moment. Laissez-moi un message, merci. Ça alors, c'est... Une minute. Ça pourrait être lui, l'homme devant l'appartement de Lara. Souviens-toi, le petit mot d'amour. Je t'envoie 1000 baisers, ta princesse. Je vois maintenant qui est la princesse. Comment pouvons-nous le coincer ? Merci beaucoup, Madame Scholten. Bonjour, Monsieur Lessing. Qu'est-ce qui vous amène ? Bonjour. Voici Monsieur Matula. Vous pouvez nous accorder un instant ? Bien sûr. J'ai entendu parler de vous. Ma femme ne devrait pas tarder. Nous avons un rendez-vous. Nous devons aller déjeuner avec un écrivain suédois. Je vous en prie, entrez. Je vous écoute. C'est à quel sujet ? C'est au sujet de la justice. C'est vrai qu'il faut prendre son temps pour rendre la justice. Du temps qui me manque souvent, mais avec vous, je ferai une exception, Maître Lessing. Si je vous disais que, pendant un moment, nous nous sommes demandé qui d'autre, en dehors de Sibar et Scholten, avait un mobile pour assassiner Mathias Cronen ? Vous ?
Moi? Que voulez-vous dire? Vous plaisantez, j'espère. J'ai tout fait pour avoir cet homme pendant des mois, ce n'est pas pour l'éliminer. C'est plutôt votre femme qui a tout fait pour l'avoir, monsieur Lorich. Qui pouvait prévoir qu'ils allaient tomber amoureux de l'un de l'autre? Personne. Oui? Vous en savez plus que moi, alors. 1000 baisers, ta princesse. C'était Constance. Votre secrétaire a tout de suite reconnu l'écriture. Alors que vous avez fait semblant de ne rien comprendre lorsque je vous ai montré la lettre. Alors, c'est ma secrétaire qui a fait une erreur. Et si c'était le cas? Qu'est-ce qu'une aventure? De nos jours, qu'est-ce qu'une aventure? Nous sommes des adultes, oui ou non? Constance n'était pas du genre à avoir des aventures. Pour elle, c'était sérieux. Quant à vous, vous aviez peur de tout perdre si votre femme vous quittait. En réalité, tout lui appartient ici. Vous étiez au courant de leur histoire d'amour. Alors vous avez planifié le meurtre parfait. Évidemment, Sibar devait passer pour le meurtrier. Et comme vous saviez qu'il était attiré par les blondes, vous avez engagé une call girl blonde. D'où sort cette théorie farfelue, monsieur Batula? C'est un peu étrange, mais vous ne manquez pas d'imagination. Vous pourriez écrire pour nous. Cette très jolie fille, Myriam, a parfaitement réussi à séduire Sibar et à le droguer. Ensuite, elle n'avait plus qu'à vous donner le couteau de Sibar. À moins qu'elle vous ait fait entrer chez lui. J'aurais bien aimé poursuivre cette surprenante discussion, mais nous devons y aller. Nous allons être en retard à notre rendez-vous. Constance, je te présente monsieur Batula, voici madame Ulrich. Bonjour. Nous étions en train de parler de ton histoire d'amour avec Mathias Cronon, justement. Ils disent ça pour te déstabiliser, ne fais pas attention. Du viens, on y va. Alors tu étais au courant? Bon, allez, on nous attend, il faut se dépêcher. Laisse-moi. J'en ai assez, c'est terminé. Votre call girl, Myriam, ignorait dans quel but on s'était servi d'elle. Elle l'a seulement compris le lendemain, en ouvrant le journal. Elle vous a appelé en vous menaçant de tout révéler à la police. Elle devenait dangereuse, il fallait qu'elle disparaisse. Tu ne crois tout de même pas ces idioties inventées de toutes pièces? C'est pour sauver la peau de Sibar. Tous les meurtriers font des erreurs. Bon, j'en ai assez entendu, je n'ai pas à supporter ce genre d'insanité. Lara! Lara! Alors, c'était pas possible. Nous n'avons jamais mentionné le nom de Lara, mais vous le connaissiez, puisque vous avez invité Lara Fraise à la réception l'autre soir. C'est cet homme, j'en suis sûre. Je suis désolé, Lara, vraiment désolé. Mais comment est-ce possible? Ce n'est pas Lara Fraise. Elle, c'est sa sœur. Lara est morte. Pourquoi êtes-vous désolé? Pour l'avoir contrainte à prendre des gouttes de rohypnol? De quelle manière? En la menaçant d'un pistolet? C'est bien vous qui avez tué ma sœur. Répondez-moi. Oui, allez, dis-le. Ils veulent me piéger. Je vais tout nier. La police ne croira pas un mot de ce que vous avancez. Il a un pistolet. Permettez. Pourquoi fais-tu ça, Constance? Pourquoi? Parce que c'était toi. Tu as tué Mathias, je le sais. Tu es capable de tout. Tu l'as fait disparaître. Oui, j'avais mes raisons de le faire disparaître. Tu croyais que j'ignorais ce qui se passait entre vous? Vous n'étiez pas discret, je vous voyais bien vous faire les yeux doux. Je t'ai même suivi. Et je t'ai attendu en bas de l'hôtel. Toute une nuit. Jusqu'à ce que tu ressortes de chez ton amant. J'ai fait ça pour une raison. J'ai fait ça pour nous. Parce que je t'aime. C'est pas moi, c'est mon argent que tu aimes! Mathias, lui, m'aimait vraiment. Quant à moi, je l'aimais plus que tout au monde. J'en étais folle. Je suis désolé.